Salut ADSP. Veilleur. Tracker. C'est bonne ambiance ici. Défoncer le veilleur. Coucou! Oh! Bisous les composants. Pas de soucis. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir, hein, c'est open bar. Ah putain, sur un pauvre veilleur, 3 flèches de choc. Quelle tristesse. Alors, il y en a un que je rate, là-bas. C'est fou que j'ai plus de potions par contre là. J'ai oublié d'en racheter ça, tiens. Peut-être tendu ça. On va faire avec. C'est vraiment un pauvre veilleur qui me fait chier. Ok. C'était vraiment un pauvre... T'as cru que je t'avais pas vu toi, hein? Plus de câble. Fuck. Nice ça. On va prendre un peu de renfort. Vous en pensez? Non. Allez. Allez, viens m'aider mon pote. Ok. On va prendre un peu de renfort, ça me paraît pas mal. Bon, le veilleur, bisous. Mon pote le tracker, il est sympa, copain tracker. Le gars bien, c'est le gars bien, vraiment. On continue. Est-ce qu'il y a un peu de soin sur la bébête? Pas des masses. On va faire avec. Si j'ai juste des flèches classiques, ça suffira. Ok. Ah, soin, canne. Ok.
Ok. Par où je dois aller? Parce que j'étais ce côté-là de la mer. Ah, faut grimper. Ok. C'est vrai que j'avais raté. Let's go comme d'hab. Parce que ouais, demain, je crois que j'ai vu que j'avais encore 3-4 quêtes secondaires à faire. Je les finirai et je finirai le jeu après comme ça. Là, il est 20h et ça me paraît pas mal. Je crois que je vais me continuer Squid Game ce soir. Ça m'étonnerait qu'elle pense. C'est plutôt de l'instinct qui les attire vers sa tombe. Oh pétard, ça c'est plus gros ça. Alors on a quoi? Étincelle, étincelle. On va essayer de pirater le ravageur pour qu'il m'aide là. Ravi, ravi, bravo. Il est où le ravageur? Reste tranquille. Ah, bonjour. Bonjour. Ah putain. Insupportable le pigeon là. J'aurais bien MC le ravageur moi. Sérieusement. Oh putain. Je peux le pirater ou pas là? Oui, c'est bon. Allez, 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 allez. On va avoir besoin de toi mon pote, non? Putain, non. Ah putain. Chut. Tout ça à cause d'une étincelle, c'est ça? Oh mais quel enfer ces mobs! Chiotte et j'ai plus de câble. Ah j'étais tellement bien là, j'allais avoir mon ravageur avec moi. Voilà c'est la merde là. Il me faut clairement que je pirate un des ravageurs sinon ça va être un passage compliqué là. Ça va être un passage complicado. Bon. Et ouais, encore les checkpoints de l'enfer. Ils me rendent ouf ces checkpoints, je vous jure. Bon. Heureusement que je meurs pas souvent, hein. Sérieusement, je reviens tout ici? Mais non. Oh non, mais c'est l'enfer. What? Oh non, mais ce checkpoint de merde. Oh, c'est pas le premier, hein. C'est quoi, le troisième, quatrième checkpoint éclaté au sol? Oh, c'est complètement con. Des trackers dans la lande. Oh putain, avant les trackers! Oh, le checkpoint de merde! Sérieusement? Oh, c'est d'un débile! Bon, bah, vraiment pas moyen. Hein. Vraiment, vraiment pas moyen. Hier soir, ouais, Pookie. Ok. Allez mon pote. Aide-moi. Ah hier soir on a bouché. Je
Mais il me semblait les avoir ouvert ce matin, après j'ai peut-être oublié. Hein. Qu'est-ce qui nous arrive? Ah. Lucas, il découvre la nuit, c'est ça? La nuit, il fait noir. Ah, mais il est plus gentil, lui! Allez, chopez-vous les trackers là. Voilà. Night is dark and full. Okay. Oh. Lui, c'est gentil alors, c'est ça? Mon gentil copain tracker, ça? Putain, je suis passé, mais pas en forme. Hein. Faut absolument que je pirate le ravageur, je vais pas m'en sortir sinon. Je me casse de là. Parce que là, je crois que j'ai pris les points pour le pirater pour de bon, non? Ah non, je l'ai pas. J'ai amélioré, mais ils sont pas piratés pour de bon bois. Putain. Quel enfer. Et c'est-à-dire que là, si je meurs, je dois me retaper tout ça, quoi. Ah, oh, très utile. Qu'est-ce que c'est que ce checkpoint de ces morts? Bon, falloir faire très... Ah, découverte en feu de camp. Ah, donc c'est pas un checkpoint de ces morts. C'est un streamer full aveugle. Enfin, full aveugle. Peut-être pas en fait. Ou pas en fait. Il est juste loin le... Non, d'accord. Elle pense peut-être défendre Gaïa. Ah oui, non, je suis pas full aveugle. Ah, quoique. Ah si, je n'étais pas obligé d'y aller là. Si, c'est streamer full aveugle. Tant pour moi, ouais, non, le problème était le streamer. Ok, je retire ce que j'ai dit. Problème, was the streamer. The streamer was shit. Ok. Bon, tant mieux. Streamer éclaté au sol, ouais. Live. Ma grande tristesse, hein. Bon. Ça m'enlève pas le souci par contre. Bon, il n'y a plus de checkpoint, mais j'ai toujours la problématique, il faut que je MC un ravageur. Alors. Oh putain, c'est dangereux. Allez, viens. Allez! C'est bien mon bibou. Voilà, viens! Allez, on y va! Allez! Allez! Oh oh. Maintenant, on va commencer à rigoler un peu. C'est parti! Ok, déjà les étincelles, ça brûle. Ça va faire des étincelles. Excusez-moi. Ouh, il est chaud. Ah, on est chaud aussi. Hein. Non, le canon. Il est où? Ok. Ah
T'es là encore? C'est bon? Désolé mon pote. Je te trahis pour le truc final, mais bon. Salut Plumex. Oh, ça avance, ça va même bientôt être la fin, Plumex. Ça sera pas aujourd'hui, visiblement. Là, je suis sur la dernière quête que je vais faire pour aujourd'hui. Mais ouais. Ouais, ça avance, vénère. Ah, ouais, c'est du bon. Hein. Je viens de passer le raid sur les Nora, Plumex. Juste, la quête juste après. Hein. Que les Nora soient fait éclataxe Maximax par l'éclipse. On a appris la vérité sur qui on était, qu'on était un clone, tout ça. Et donc là, c'est là, je suis sur la quête, voilà, donc la montagne déchue où je rejoins le complexe de Gaïa. Bah alors pour le coup, j'ai vraiment pris mon temps de fou, c'est-à-dire que j'ai lu et écouté chacun des dispositifs de lore sur... en lisant à haute voix d'ailleurs sur... comment ça s'appelle ? Dans le complexe, tu sais, où tu découvres un petit peu toute la cinématique sur la vérité sur Horizon Zero Dawn, tu vois. Bah c'est ça, tout à fait. La faille longue si on prend son temps, et je prends mon temps parce que je savoure hein, vraiment chaque piécette de lore qui m'est donnée. Et donc ça rallonge un peu, mais ça rallonge en bien, tu vois. Pas un mal, quoi, clairement. Tout le lore optionnel écrit comme audio et... Oh, un oiseau tempête, c'est génial, quoi. Je suis pas très chaud pour l'affronter, là. Si, combat. Non. Ok, combat. Ok. Je crois que j'y suis presque. Pas de soucis. Attends, y a un autre truc que lui, non? Ah. Pas mal, hein. Il est où? Ah, il est là. Ah, c'est fantastique, Plumex. Bah, il y a pas mal de trucs, quand même, dont je me doutais, le côté clone, etc. Et ouais, moi, je surkiffe. Ok, bah, chargé. Il se barre ? Non. C'est quoi son point faible, déjà, lui ? Dans les pattes pour le faire tomber. Putain. Reste là. Tranquille. Tranquillou, tout va bien.
Ok. Plus beaucoup de composants quand même. Toujours en termes de câbles électriques. Hein. Toujours en termes de câbles électriques, c'est compliqué. Hein. En même temps, le lance-corde, quelle merveille quoi. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a, Dragon X? C'est la phrase, j'ai l'impression que c'est ironique. Bonsoir, Gachette. Je suis désolé. Hein. C'est pas le cas, hein. Désolé, c'est moi qui comprends mal. Comme t'avais fait le. Avant. Je pensais que c'était ironique, le. Ma brave voice. La neige est blanche comme. Parce que j'ai fait de mal, c'est le cas. Je crois que j'ai des idées noires. Ah ouais? Ah! Non, non, avec le lance-corde et tout. La première fois, il m'a bien fait chier, hein. C'est la Talente. La première fois, il m'a bien fait chier, j'ai essayé de focus son torse. Dès que j'ai compris qu'il fallait le geler et que tu doubles les dégâts, c'est un carnage. Hein. Lui, il gueule de rage, maintenant, c'est assez tranquille. Hein. Gueule de rage, tu le dégages chez drone, c'est fini. Hein. Les canons ici et les drones sur le dos, et c'est fini. Hein. Ah, ça marche. Autant pour moi, ok. Non, 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 c'est assez tranquille. Et... Oh putain, c'est beau. Le sacrifice de Gaïa. C'est ça. C'est ça qui a fissuré la montagne comme un œuf. Oui, oui. Allez, vite. J'ai pris soin de te préparer le chemin. Alors, tu es déjà venu? En partie. Tu verras. Hop là. Tellement qu'on a la strat, c'est bon. Tu m'as préparé un passage, mais tu as laissé toute une armée de machines. Depuis quand les machines t'empêchent de passer? Si tu pouvais voler, je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Mais alors, moi, la question que je vous pose pour le coup pour Drago et Tieti, c'est en fait, vous les aviez pas affrontés avant, les oiseaux de tempête et les gueules de rage? Parce que pour le coup, moi, l'oiseau de tempête, je l'ai affronté la première fois que je l'ai vu, qui était... Ici, c'était celui-là que j'ai buté. Ça a été dur pour le coup, parce qu'à l'époque, j'avais pas la strat, hein, je découvrais. Et je m'acharnais en fait à essayer de taper le torse là où il générait le boule électrique, donc c'était une mauvaise idée. Je l'ai eu une fois que j'ai compris, il fallait le geler. C'est là d'ailleurs où j'ai découvert l'efficacité du gel. Ça m'a appris ça. Et ensuite, le premier gueule de rage, c'était... C'était pas celui-là, c'était celui-là. Et pareil, ça a été assez costaud. Parce que j'avais pas les flèches de choc à ce moment-là. Qui ont changé la vie hein, sur gueule de rage. Je le faisais en fait au gel. J'avais pas le lance-corde, j'avais pas les flèches de choc. Depuis que j'ai ces deux trucs là, maintenant, c'est assez tranquille. Et encore, sur gueule de rage, c'est pire parce que je récupère le lance-disque. Sur l'oiseau tempête, je crois pas qu'il y ait d'armes à récupérer. Me semble pas en tout cas. C'est exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver, Silence. Merci. C'est là, pendant des années, j'ai tenté de franchir cette trappe. Drago, percé, t'es vraiment une patate. Brûlé, fait sauter. Mais tu sais comme moi que toi... Non, tu t'as joué à Monster Hunter World ou pas, Drago? Pareil pour Tieti. Je devrais m'excuser. C'est peut-être ça, la diff. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force, mais une clé... D'accord, ouais, c'est peut-être ça, la différence. Une clé humaine. Ça t'apprend, en fait, à stratégifier, entre guillemets, ça veut dire, mais... D'imagination. Mais ton toi, ton ta chasse, tu vois, t'as pas le choix en fait dans Monster Hunter World parce que les monstres sont trop forts, si tu vas en bourrin. Voilà, après on aime pas hein. Là il y a pas l'aspect narratif qui est effectivement dans Horizon, mais le principe à l'arc, en plus pour le coup j'avais joué à l'arc dans Monster Hunter World sur PS4, c'est vraiment ça hein. On dirait que tu as passé beaucoup. Il y a 19 ans, une énorme explosion a détruit cette montagne. L'écho a résonné jusqu'à la roquette. Les flammes étaient immenses. Une fois peu à peu, les machines sont venues pour le protéger. Ok. Dans son message, Gaïa disait qu'on pourrait la... Elle a dit qu'il faudrait d'abord détruire Hades, sinon Hades pourrait se servir... Mais le gameplay de Monster Hunter World est extraordinaire aussi. Gaïa s'étant sacrifié, il a été obligé de trouver des moyens moins... Mais... Tu sais ce que les creusets peuvent faire. Oh. Ils peuvent fabriquer de la même façon. Ils devraient être aussi en mesure, mais ça prendrait des années. Et le... Je pensais que tu serais... Pourquoi? C'est toi qui es... Bon. Oui. Quand tu auras trouvé, notre futur dépend de toi. Aucune pression. Notre futur dépend de toi, mais... T'y vas tranquille, hein. Détendu du cul, hein. Option